le film est à l'envers, donc il faut tout le rembobiner pour avoir le départ. Donc là, on met en enrouleur. Et on met le moteur en route. Là, il y a à peu près 10 minutes, un quart d'heure à tout rembobiner. Okay. Pour l'instant, on va s'occuper du projecteur. C'est pas nous. Hein. Et là, il faut qu'on change d'objectif parce qu'il est cet objectif, l'objectif en scope et le film est en panneau. C'est du 185. 185, c'est du panneau. L'image est plus petite que le scope. Et là, c'est le début du film. Donc, on est dans le bon sens. Parce que c'est arrivé de passer le film à l'envers. Au début, il y avait deux bobines. Et d'un coup, ils avaient passé la bobine de fin et la bobine du début en deuxième. Et je crois que les gens n'avaient pas trop remarqué. Je ne sais plus ce que c'était comme film. C'était mais... La leçon de piano. La leçon de piano, ouais. Donc c'était à l'époque où il y avait encore les petites bobines, je pense, là, ici. Parce que bien sûr, il fallait les monter dans le bon sens. Alors c'était numéroté la boîte 1-1, la boîte 2-2, et ainsi de suite. Bon, il y avait 4, 5 bobines, 6 bobines, suivant les films. Et donc on passait le film. Et après, il fallait le redémonter et le remettre dans les boîtes et le ramener à Toulouse. Alors ça, c'est pour coller les films, en cas d'accident ou si on casse le film. Donc quand on fait ça, il faut mettre la bande-son du même côté et on recoupe. Voilà. Et là, le film est réparé. Avec les trous et tout. Voilà. Bon, on va changer de partie. Maintenant, il faut installer le film dans le projecteur. Je venais souvent au cinéma, même pratiquement toutes les semaines en fait, et c'est Manu, après le désistement d'un autre projectionniste, qui, notre président, donc, qui m'a proposé de rejoindre la bande. Quoi. Voilà. Et donc après, j'ai été formé par Alain, par tous les autres. Et voilà, je suis le dernier arrivé et voilà, ça se passe bien. Voilà un public qui est content de venir ici parce que c'est une petite salle qui est plus proche de chez eux que Montauban. Et ils sont, c'est un peu des, on se retrouve en fait, c'est un peu entre amis, tout le monde se connaît, c'est assez convivial et les gens apprécient ça. À part ça, on va avoir bientôt un problème avec le numérique puisqu'on aura des copies jusqu'à fin 2013 de films en argentique et après tout devrait passer en numérique. Donc pour s'équiper en numérique, c'est pas évident, question financement, il y en a pour 70 à 100 000 euros. Et on ne sait pas du tout comment on va faire pour s'adapter à ces nouveaux formats. Et l'affiche est tirée au sort avec les tickets après. 54,85. Bonjour. Merci. Bonne soirée.